Coucou les déco addicts, j'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour fabriquer ensemble ce joli tableau chic et glamour. Et aujourd'hui, on va utiliser un tableau, de la colle, une peinture en spray mat blanche, une seconde peinture couleur argent, un premier carrousel de paillettes, un deuxième carrousel de paillettes, toujours dans les tons argentés, un crayon à papier, un mètre, des pinceaux, une règle, et on y va ensemble. Donc voilà comment se présente mon tableau. C'est un simple tableau blanc trouvé chez Action. Je commence par le mesurer et je vais venir chercher le milieu du tableau. Donc je mesure et je prends la moitié. Je viens marquer et je vais faire pareil sur tout le reste du tableau. Et ensuite, je vais venir tracer pour délimiter le centre du tableau. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre du scotch qui me sera utile lorsque je vais bomber mon tableau. J'ai préféré le bomber pour aller plus vite et du coup je vais faire un côté en argent et l'autre en blanc. Voilà. J'ai essayé de faire un léger dégradé. On voit la trace du scotch, mais ce n'est pas grave puisqu'on va dessus le recouvrir. J'utilise ma colle vernis. Donc j'en mets une bonne quantité sur le centre du tableau. Ensuite, avec mon pinceau, je viens l'étaler sur toute la longueur du tableau. Je vais récupérer un autre petit pinceau et je vais former tout plein de traits en zigzag. C'est ce qui va me permettre d'avoir un joli dégradé. Donc sur tout le long du tableau, je zigzague, je repasse et je continue de façon à ce que j'ai une forme qui me plaît. Quand je suis satisfaite de ce que je vois, je viens récupérer mes paillettes et je vais prendre les paillettes argentées les plus claires. Elles sont de taille moyenne et je mets une bonne quantité de paillettes sur mon tableau. Je passe ensuite à un autre sac de paillettes que je ne vous ai pas montré au départ. Elles sont un peu plus grosses et sont de la même couleur et je vais quasiment mettre tout le paquet de paillettes pour avoir un très beau rendu. Ensuite, je récupère le deuxième carrousel de paillettes. Je repasse toujours en couleur argentée, mais ces paillettes-là sont beaucoup plus fines. Elles sont très, très fines et elles vont venir combler les endroits où j'ai des petits trous. Je mets aussi des paillettes dorées pour avoir un joli contraste, un joli dégradé. Et pour finir, je vais venir aussi mettre des paillettes de couleur grise, mais très foncée. Je dirais même que c'est un gris anthracite. Une fois que je suis satisfaite, je vais venir soulever mon tableau et tapoter dessus pour faire tomber tout l'excédent de paillettes. Voilà à quoi il ressemble pour le moment. Ensuite, je récupère mon pinceau et je viens balayer toutes les petites paillettes qui ne sont pas collées, mais qui sont restées sur le tableau. Je retapote. Je nettoie mon tableau. Et voilà le résultat.
Donc vous commencez à me connaître, la brillance est au rendez-vous. Moi, j'ai décidé de rester dans des tons très clairs que j'aime, mais vous pouvez bien entendu choisir la couleur de votre peinture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.